Bonjour. Alors, je vous présente aujourd'hui un petit album que j'ai fait avec une collection de FDECO. Alors, cet album se présente ici. Il y a deux papiers de Skivertex, un peu imitation velours, pas mal de petites décos. Donc, il y a des choses en 3D, un ruban, enfin un galon. De ce côté-ci, un ruban, un papier, des fleurs. Voilà. Alors, ce sont à chaque fois des pochettes avec une grande carte. Bon. Si c'est pas droit, ça rentre pas bien. Bon, je vais y arriver. Oh, ben voilà. Donc il y en a 5. La première page, un ruban. Et ici, pour mettre pas mal de choses. Et là, il y a aussi une grande carte. Voilà. Je remettrai ça après. Oui, j'ai mis des petits pompons aussi ici. Alors, le papier de base, c'est le papier que j'utilise habituellement pour faire mes albums. Taille A4, vendu à Bureau Vallée, en paquet de 100 feuilles à 8,90 je crois. Qui se fait en état de coloris. Noir, rouge, bleu et donc gris aussi. Alors ici, j'ouvre et il y a des petites cartes. Voilà. Et ici, c'est possible de mettre une photo en la rentrant ici dessous. Voilà. C'est aimanté. Ici aussi, j'ai pas tout collé. Alors, ce côté-ci, il y a un livret où on peut mettre pas mal de photos. Et rien d'autre, en fait. Ben non, je croyais avoir mis un autre truc ici, mais non. Je l'ai fait il y a un moment, je me souviens plus trop. Alors ici, ce sont ces petits rabats qui permettent d'ouvrir. Je vais y aller là. Voilà. Donc là, on peut ouvrir comme ceci. Et si on veut que ça coince, on les remet. Donc bien sûr, on peut mettre des photos des deux côtés. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Et donc là, on ne peut plus ouvrir. Ici, un livret. Là aussi, pour mettre quelques photos. Et donc, quand on enlève le livret, on peut bien sûr ouvrir ici. Là, il y a des cartes où on peut écrire quelque chose ou mettre une petite photo. Et donc, pour fermer cette partie, c'est comme ceci. Celle-ci, elle va là. Alors ici, il y a un badge. Voilà. Et puis voilà. Il y a deux photos et deux côtés. De ce côté. Donc ici. Voilà. Encore un livret. Mettre pas mal de photos. Et c'est ça qui tient tout. Avec un petit oiseau. De ce côté-ci, ce sont des cartes comme ceci. Là, collées, mais on peut mettre une photo sur le bord.
ceci s'ouvre ainsi. Et toutes les petites cartes là, qui peuvent être mises n'importe où dans l'album après. Hein. Pour l'instant, je les ai mis ici. Voilà. Cette partie-ci, en fait, ce sont deux parties, une plus petite et une plus grande. Là, on peut coller aussi si on veut une photo ici. Et la dernière partie. La dernière partie, ici. C'est quelque chose qui peut être enlevé de l'album et posé sur un meuble, par exemple, avec des photos. Des photos un peu partout. Et le jour où on veut le ranger, on le remet dans l'album. Là, ici, ça s'ouvre également comme ceci. Je suis en train de réfléchir, là, il n'y a pas un truc. Là, non, ça va ici. Mais je n'allais pas faire un truc, là. Non, non, je croyais avoir fait un rabat supplémentaire. Ben non, bon. Et puis donc pour terminer, ici j'ai mis une enveloppe où on peut mettre encore d'autres photos. Voilà, et on arrive à la fin. Voilà, c'est pour une petite jeune fille qui m'avait demandé un album pour une de ses amies. Pour son anniversaire, je pense que ça lui fera plaisir. Enfin, j'espère. Voilà. Enfin, je vous dis au revoir, à bientôt. Bonne journée.